Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers, français en situation, les nombres. Donc nous allons voir comment utiliser les nombres et ce sera pratique par exemple pour vous pour préparer votre voyage dans un pays francophone. Alors voyons les nombres de 0 à 10. La prononciation. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors voici les nombres en lettres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de bien les mémoriser, mais nous allons les pratiquer dans quelques instants. Alors, nous continuons maintenant. Pour les nombres de 11 à 20, alors la prononciation 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors voici. En lettres, on remarque la présence du son the. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors nous continuons avec les dizaines. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. On remarque que il se termine souvent par le son ant. 30, 40, 50, 60, 70, en fait c'est 60 et 10 qui devient 70. 80, et le même phénomène, 80 et 10 qui devient 90. 100 et 1000. Alors, lorsque on a par exemple 21, il y a et entre 20 et 1. C'est la même chose pour 31. 41, 51, 61, 71, mais par contre, avec les autres chiffres, 22, 23, etc., il n'y a pas le et, c'est seulement pour 1. Mais on dit 81, donc pas de et. Et 91, 101, 1001. Alors, nous allons pratiquer. Les chiffres, je vous lis un chiffre et vous devez montrer où il est. Par exemple, où est 3? 6? 8? 5? 1? 9, 10. Maintenant le contraire, je vous montre un chiffre et vous le lisez. On commence par 2, 9, 7, 5, 4.
10. 8. Alors nous continuons de 11 à 20. Donc même principe. Où se trouve le 16? 15. 18. 12. 19. 13. 14. 20. 11. Voilà, nous continuons avec les trentaines. Où se trouve 40? Ici. Et maintenant, 20. 80. 60. 10. 90. 50. 20. 100. Voilà, nous continuons avec une révision générale. Donc là, je lis un chiffre et vous le montrez. Par exemple, où se trouve 31? Ici. 5. 54. 16. 34. 44. 15. 2. 11. 14. 85. 62. 3. 127. 72. 16. 18. Voilà, donc vous pouvez pratiquer à nouveau si ce n'est pas encore tout à fait automatique en revenant en arrière. Alors, on utilise les nombres aussi pour des numéros de téléphone. Pour répondre à la question quel est votre numéro, on peut dire par exemple le 01 44 10 24 71. Alors, essayez de lire ce chiffre, ce numéro de téléphone. Donc, c'est le 06 25 75 38 47. Et maintenant le contraire. Donc je vais vous lire un chiffre et vous allez essayer de le noter. C'est le 01 25 84 12 53. Alors voici la réponse. Voici un autre numéro, c'est le 06 42 18 64 41. Alors voici le numéro. Et un troisième et dernier chiffre, le 02 60 16 31. 91. Alors voici la réponse. Donc là, il fallait faire attention, c'est 76, deux nombres séparés, et non pas 76, 7 et 6. Alors nous continuons. On utilise les nombres aussi pour dire l'heure. À la question il est quelle heure? On peut répondre par exemple. Alors essayez de répondre ici, de lire l'heure ici. Il est 11h20.
Et maintenant, il est 6h10. Et maintenant, il est 15h30. On pourrait dire aussi 3h30. Et maintenant, il est quelle heure? Il est 8h45. On pourrait dire aussi 9h moins le quart. Alors, pour dire le prix, répondre à la question c'est combien? On peut dire par exemple, essayez de lire le prix ici, ça fait combien? Ça fait 12 euros. Et maintenant, ça fait combien? Ça fait 55 euros. Et maintenant, ça fait 15 cents ou 15 centimes. Et le contraire maintenant, ça fait 13,60 euros. Et essayez de noter ce prix, 13,60 euros. Voici la réponse, ça fait 13,60 euros. On peut dire aussi 13,60 €. Alors nous terminons avec les chiffres qui permettent d'indiquer un ordre, comme par exemple un étage. Donc premier, deuxième, on peut dire aussi second. Et attention à la prononciation du C qui se prononce G, second. Troisième, donc vous voyez, on ajoute ième à la fin du chiffre. Quatrième, cinquième, sixième, etc. Dixième, onzième, 21e, 22e, centième, millième. Alors par exemple à la question c'est à quel étage? On peut répondre c'est au premier. Et maintenant vous répondez c'est à quel étage? À vous, c'est au deuxième. Et maintenant c'est à quel étage? C'est au 12e. Et maintenant, c'est au 8e. Et enfin, c'est au 19e. Voilà, du 19e étage, vous aurez une très belle vue, par exemple, sur la mer. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis au revoir et à très bientôt.